Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue au Dire Jungle. On est avec un Mordekaiser, un Veigar, une Vayne, un Brand, contre Nasus, Kha'Zix, Akali, Kai'Sa et Morgana. Et on est actuellement en Platine 3. Ok, c'est parti. Alors. Raté. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Let's go. Bon, il y a trois persos qui se mettent invisibles en face. J'aime pas du tout ça. Nasus, ça va être chaud à test en 1v1. Et Morgana qui... Alors, ça va être très compliqué pour moi de jouer contre ce qu'ils ont. Attention, il y a quelqu'un ici. Ouais, on va éviter de rester trop. Ouais, je back là. Safe. Je start au bleu, évidemment. Ouais, ça va être technique de s'exprimer dans cette game. Hop, petite ward pour voir mon raid. Très important. Bon. Ouais, je vais essayer de camper le top. De toute façon, les autres lanes, je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon, la bot lane, si on a une bonne engage, il y a peut-être fin faut qu'il grid quoi, mais. Ouais, il va falloir que je joue autour de la top lane, je pense. Mais rush phasique sur le Nasus, ça va être chaud. Je sais pas trop comment on gagne ça. Hein. Bon, en tout cas, je sais pas trop comment je vais pouvoir mettre vraiment de la pression en early. On fera mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le Mord qui a l'air de bien détruire le Nasus. Ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. J'essaie peu à peu de trouver mes petits réflexes sur le clear de la jungle qui est un peu différent d'avant. Ça a l'air ok. Ouais, il aurait fallu que je prenne l'ours là et que je perde pas le passif. Bon, c'est ok, franchement, ça passe. On va y aller comme ça. Hop. En fait, le tout c'est qu'il faut surtout pas gaspiller les dégâts du tigre et ne pas perdre le passif. Alors faut que je fasse gaffe, un Kha'Zix ça peut éventuellement venir me chercher ici. Bon, pas là j'ai le smite 430. Ouais, ils ont déjà plus envie de jouer, j'ai compris. Ils ont plus envie de jouer. En vrai, je vais venir. Est-ce que je peux vraiment faire un truc? J'ai peur, j'ai surtout peur de l'état mental de ma team là. Je veux déjà un FF this game, je me dis bon allez c'est bon, ils ont pas envie de la jouer. C'est surtout ça qui me fait peur, après le reste ça devrait être ok. Hop là, et non. Je leur fais un peu de temps. Je vais peut-être check le Kirap top. Ce serait bien qu'ils me voient pas. Ça va fight. Je vais essayer de pas perdre le passif, mais là je vais me prendre Akali avec malheureusement. Je le tue. Tous les jours on y va. Hein. C'est bordé. Hein. Ravi. Je l'ai tellement détruit. Ok, bon, bah je prends une énorme domination de jungle. J'ai vraiment très très bien joué là, le Kha'Zix, je l'ai atomisé.
Je vais prendre le carap. Il y a un Drake qui va pop. Faudrait que je reset. Faut être là au Drake, mais je suis prêt à y aller à tout moment. Je vais prendre ça en vrai et une pink. Alors je suis pas du tout convaincu de mon stuff early. Normalement j'aime bien prendre le Tiamat pour avoir un clear archi rapide. Est-ce que ça vaut le coup de délayer un tout petit peu du coup mon achat de mon item mythique? Il faudra que je te recrafte ça. Pour l'instant je connais pas du tout le nouveau système, donc je fais un peu au feeling, mais peut-être que c'est pas le meilleur choix. On verra. Ouais, je vais prendre ça. Hop, j'ai mon level 5. J'ai très envie d'aller tester le Drake en vrai. J'ai foutu une ward. À tout moment on y va. Ouais, bon, c'était un peu dangereux quand même, mais ah, en vrai. Si j'avais pu mettre un stun. Il y a presque combien de Drake en vrai, je pense qu'on peut Drake, on peut le forcer. Kha'Zix, il est reparti un peu la queue entre les pattes. C'est risqué, mais. On le fait assez vite. SS mid, il nous faudrait que la vayne vienne. Hein. 480 le smite, faut pas que je me fail. Alors oui, très très bonne cage. GG. Le Veigar joue très très bien, je vais essayer de jouer autour de lui, je pense. Ouais, je vais un peu jouer doucement. Il y a une Morgana qui va peut-être arriver. Allez, je vais aller me régène tranquille. Très bonne early, hein. Je prends les deux carabs, j'ai pris un Drake. Le Veigar qui a mis des belles cages, franchement c'était ok. On n'est pas passé loin d'un kill sur le Kha'Zix à un moment. Ça nous a sécurisé le Drake. Je vais rush Carap. Le top ça a l'air d'être ok. Botlane qui s'en sortent aussi. Bon, il faut vraiment que j'essaye de soutenir psychologiquement la team parce que j'ai juste peur qu'ils aient FF en fait, qu'ils aient juste pas envie de jouer. Alors que je pense que c'est largement gagnable et j'ai un bon start. Je vais aller check le bleu en face. Ok, ça sort le gros dive là. Kha'Zix stop, ok, je vais ravager sa jungle. Le Veigar qui récup. En vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je prends mon level 6, je mets 11 de farm au Kha'Zix. C'est pas dégueu. Alors, ça me ping bot. Ouais, effectivement, j'arrive. Allez, le smite, please. Je suis un peu light, hein, mais j'aurais pu prendre la plante. Je pensais qu'elle y était plus. Bon petit flash in. Allez, le doublé. Il s'en sort l'autre. Je vais essayer d'art carry. Hein. Moi je vais push ça, sinon ça va foutre la merde. J'ai vraiment fait des très bons moves là, je suis assez fier de moi. Hop, on récupère le gros. Est-ce que je peux prendre une plate? J'ai toute ma jungle en plus qui est dispo. Kha'Zix m'a peut-être coûté un jungle topside, mais la bot side c'est sûr qu'elle est sécurisée. Okay, je vais en rester là, je pense. J'ai 2000 gold. Je vais reset. Et je vais go faire un full clear de ma jungle. Into peut-être gank top et sécuriser le Herald. Ça peut faire des trucs. Je vais prendre ça. Prendre des bots quand même. Tac. Ok, c'est pas mal. C'est un bon back en vrai. Hop, allez, je go full clear. Il y a un Azus qui est au mid, on ne sait pas pourquoi. Kha'Zix niveau 6, il est un peu perdu. Hein. Le Veigar joue vraiment bien, franchement, ça fait plaisir à voir. Ok. Ah, la cage là est un peu bizarre, mais. Kha'Zix bot side. Je commence à avoir des bons dégâts du coup, moi.
J'ai mon smite bleu qui est prêt pour être lancé sur des ennemis. Ok, je vais essayer de venir. Alors, je pense que c'était de l'overkill, mais je m'attendais pas à ce qu'elle puisse mettre ses dégâts aussi vite. J'aurais peut-être pu push la wave sur la tour. Bon, il y a le Brand qui arrive, il va récup, c'est pas mal. Il y a une Akali qui décale, ça va peut-être me tomber dessus. Peut-être un Kha'Zix par là. Ok, le Brand vient avec moi, ok, je suis vu. Mais pas le Brand. Ok, ça fine. Drake 55 secondes. Est-ce qu'ils vont la catch? Non. Ça ne passera pas. J'ai plus du tout de vision sur la top side, donc je vais aller check un peu ce qui se passe au viral. Oh, ils l'ont eu, ah, GG. Est-ce qu'on a un Kha'Zix dans le coin? Ok, j'ai plus de bleu, je m'y attendais. Hein. Ça aurait été un peu inquiétant que je l'ai encore. Je vais aller go-check le Herald. Ok, il est pas là. Le Carap est encore là, what the fuck. Vraiment. Je vais peut-être tenter de face-check le Bush. Bon, il va partir vers le haut. C'est complètement raté. Je suis déçu. Oh, genre, j'ai pas le gros là, vraiment. C'est ma vie. Allez, toi, tu te prends ton meilleur stone sous tour. Tu me casses pas la tête. Voilà. Bon, bah, je voulais le Kha'Zix, c'est la base, mais. On s'en sort pas si mal. Drake, du coup, qui est free. Hein. Akali, il n'a pas troll. Hein. J'ai juste mis un stun parfaitement timé. C'était au Kha'Zix que je voulais le mettre si vous voulez, mais ça me va aussi. Hein. C'est un peu ambitieux ce que je fais, mais il y a un Kha'Zix qui est low life, qui a mon bleu du coup, bah super, hein, qui se régale. Ok, j'ai fait de la merde, j'ai full troll. J'ai full troll. Après, je sais pas pourquoi j'étais tout seul, j'ai ping, mais peut-être le Veigar aurait pu venir direct. Mais c'est moi qui grid, hein, je le reconnais. Genre, ils l'ont là vraiment? Ah, ça fait chier. Non, c'est my bad, hein, je suis désolé. 100% my bad. Bon, il récupère derrière, c'est cool, mais. Je m'attendais pas à me retrouver tout seul contre eux. Je savais que le Kha'Zix c'était autre pause et j'y suis allé un peu les yeux fermés, mais c'était pas malin de ma part. Bon. Overall, je fais quand même une excellente partie. Hein. J'atomise le Kha'Zix en face, mais là, je me suis dit, bah, qui l'a Kali, j'ai rien claqué en plus, c'est Friedrich, mais. Kai'Sa 6-3. Putain, on a déjà ma dernière game avec une Kai'Sa, elle était archi faite, c'est relou. C'est relou. Bon, je suis en 5-1. Ah ouais, la botlane se fait ouvrir. J'avais pas capté qu'il se faisait détruire à ce point, pourtant j'ai fait des bourgans. Après, c'est moi qui récup les kills à chaque fois, effectivement, donc. Ça explique des choses, ouais. Ah, il a TP, il lui a fait peur. Je vais go des wards un peu. Pas un petit Herald à faire, là. Ouais, je vais être un peu light pour le claquer sur les tours. Ça fait chier. Peut-être en me dépêchant. Smite à 640. Kha'Zix qui est là. J'arrive mon bro. Ah, ils l'ont eu. Ouais, putain, le Herald est late. Ouais, je suis un peu déçu, j'ai pas pu poser mes dégâts. Bon, continue à jouer macro autant qu'on peut. Ah,
Ah bon, il y a un raid en haut, je vais aller poser ma pink. Bon, du coup, le Mordkaiser s'en sort bien contre Nasus. En vrai, Mordkaiser, c'est un bon pick contre Nasus, hein. Comme il a des dégâts en fonction des PV max. What? Comment mon bleu est encore là? Faudra m'expliquer. Je pensais que le Kha'Zix était venu le chercher tout à l'heure quand il a pop. Du coup, j'ai pas de check, ça fait 5 minutes qu'il est là en fait. Ça va très bien. Allez, je vais aller prendre Carap. Le raid en haut. Je sais pas trop ce qui se passe au niveau de la botlane, mais ça me fait un peu stresser. Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'ils se font défoncer. Et ça fout le roam en face. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce placement? Ouais, on va avoir une Kai'Sa 10-2 qui va nous tomber dessus, la classique, hein, la classique de la botlane. Je vais remettre un peu plus présent. Je pense que j'ai loupé de pas grand-chose le Kha'Zix. En vrai. Je suis vu là. Je pense pas, hein. Bon, Hugo, juste péter la tour, je pense. Ok, ça c'est pas mal. On va clear un peu la merde là. Je suis prêt. Kai'Sa qui se régale encore. Je vais essayer de venir les aider comme je peux, mais. Vraiment là? Oh putain. Il va falloir gérer la Kai'Sa, mais c'est intouchable ce truc. Hein. Allez, il faut qu'on soit au Drake. Mais la Vayne 1-7, elle doit être tilt, je pense, je sais pas. C'est elle qui a dit FF au début, je pense. Ah, c'est relou. AD, AD, AP. Ouais, non, il me faut des Mercures quand même. Hein. Hop. Je vais check un peu ce qui se passe, mais. Bon, on a un ADC qui joue pas, quoi. Qui juste crève en boucle. Donc ça va être assez relou. Voilà, et on a une Kai'Sa archi-fed qui va nous tomber dessus. Heureusement que je suis là. Hop, let's go. On va essayer de dodge la prochaine. Ah merde. J'ai des Mercures, cela dit. Hein. Je vais la toucher un jour quand même ou non? Apparemment, j'ai pas le droit. Hé Le bon OTP Udyr. Le stun était parfaitement timé. Je suis déçu de ne pas avoir touché la morgue, j'avais juste il fallait que je sois meilleur et que je dodge la 4, j'ai elle tombée. Hein, mais... bon, je vais essayer de détruire la game, hein. J'ai les outils, j'ai 7 kills, 135 de farm, faut def le Drake. Le Brand il joue encore? Ouais, ça mais là, là. De toute façon c'est le théorème de la botlane si vous voulez, il y a toujours des mecs qui sont... Je sais pas pourquoi ils sont dans la game. Allez au Drake s'il vous plaît. Je m'en fous, je vais tryhard, je vais carry, je suis prêt à tout. Moi j'aurais même pu. Je crois que je perds du temps, putain, je suis un bouffon. Hop, c'est mieux comme ça. Y a moyen, y a moyen. Ah oui, évidemment. Team qui joue pas, c'est pas ouf pour les objectifs. Bon, je vais essayer de split push du coup. Le Mordkaiser en vrai il est pas mauvais, le Veigar est vraiment bon. Le Brand, j'ai l'impression qu'il essaye quand même de jouer, puis la Vayne elle s'en fout. Bon, il fait des trucs, ah, il va se faire bouffer. Tempo, tempo, court. Je pars en mode 1v9, hein, j'en ai rien à foutre, je prends tout. Plus personne ne joue. Non, on FF pas, on gagne ça. Allez, hop, prends ton farm, mon gros. Après, on a quand même du CC, hein, donc la Kai'Sa Kha'Zix, un CC. Mais jamais de la vie, on gonne, hein, c'est quoi cette mentalité des gens? Ça m'énerve. Ça m'énerve, on a juste à mettre un CC sur la Kai'Sa, on les détruit en fait. J'ai bien fait de pas lui laisser le grosse bière parce qu'il n'a pas envie de jouer non plus. Hop, moi j'avais rien à foutre là.
Après, ça se trouve, c'est une Vayne full KDA mécanique qui peut sortir des dingueries si on le laisse jouer. Ça existe aussi ce genre de choses. Hein. Je vais go armure à fond. Ouais, non, je vais attendre pour la danse de la mort. Ouais, ils ont le Nash. Hein. Ils ont le Nash or. Franchement, je mets full bonne volonté, mais là c'est quand même technique. Hein. Allez, ça, je pense que ça récupère. Quand même. Ils vont vraiment pas avoir Akali là. Bon. Je tryhard jusqu'au bout, hein. Quoi qu'il arrive. Je joue pas un jeu pour abandonner en fait, surtout quand on a encore plein d'outils pour gagner. Peut-être moyen de faire un catch au raid. Bon, je m'expose, hein, mais là je suis obligé de prendre des risques, hein. C'est la seule façon d'avoir une chance de jouer greedy. Qu'il se passe un truc peut-être, ok, il n'y a pas de raid. Est-ce que je me fais le Nasus en vrai? Oh, jamais de la vie je me le fais, je pense. Hein. Je sais même pas quoi faire en vrai. Pas que je me fasse catch. Je vais jouer macro. Hein. On va vraiment prendre le farm, je vais essayer de venir avec eux ensuite. S'ils peuvent l'atterrir vers moi éventuellement, le fight. Ah, ils se font juste bouffer. Il suffirait d'une bonne cache du Veigar qui connecte et il peut se passer un truc, mais... Non, vraiment, on est sur ce genre de manque de respect, là. Bon. Je crois qu'il y a un raid. C'est une Kai'Sa à choper. Peut-être. Ah, l'invisibilité, ça tombe tellement, c'est ingérable en fait. J'aurais peut-être dû all-in direct avant qu'elle ait le temps de se régénérer, j'aurais peut-être eu une chance. Mais bon. Ah, j'imagine que j'ai pas été assez bon, hein. Que dire de plus? C'est quand même bien le Coliseum sur Defus de pouvoir jouer toute la team, hein. On dira ce qu'on veut. Mais c'est mieux. Je vais mettre un GG au Vega pour ça. Il a fait quelques bons moves au mid, mais bon. Je sais pas, je me sentais un peu seul quand même. D'accord, donc moi j'ai 12 000 et le deuxième il a moins de 8 000. Ah, 8 000, bon. Oh là là, 1-16 la botlane, c'est vraiment une lucky. Hein. Je vous promets que mes défaites, c'est tout le temps ça. Hein. Jamais, moi, je suis en KDA négatif à me faire éclater et à full crever. Hein. C'est tout le temps, moi, je tryhard, mais je suis... Bref. Bon, bref, c'est ce jeu. J'ai essayé de donner mon mieux. De toute façon, j'ai senti déjà sur la draft que ça allait être compliqué, mais on avait largement les outils. Il suffit juste que Vayne, elle aille pas crever en boucle. Et je pense que c'était largement gérable. J'ai fait un early game insane. J'ai tout pris, mais ça n'a pas suffi. Pas de chance. Voilà, bon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez quand même liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.